I'm not here, or something happens to me, at least this these interviews will cover a little bit of the truth and the reasons behind it, and also the reasons why the severe attacks that I've had by the police and the courts, because, you know, I didn't mean to start a fight with them. I still don't want to fight with them. And I don't even think that the system's totally bad. I'm just sorry I found, I'm sorry I found a fault. And it's a nasty fault, and it's probably the cause of a lot of people that have been hurt and going to prison for things that they should never have been locked up or got or put in prison for the masters to plunder and to use their racket, or for a racket to make more money for the rich, a rich man's trick. On parle d'identité. Il n'y a pas personne, je pense, qui est allé plus loin que moi là-dessus, sur la question de l'identité sur la planète. On est 8 milliards, ça s'applique autant en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine. Ce que je vais vous expliquer là, c'est mondial, ça regarde tout le monde. Quand vous allez avoir ça, ben, traduisez-le dans la langue que vous voulez, expliquez-la, parce que ce qui arrive ici au Québec et au Canada, c'est ce qui arrive partout sur notre planète Terre. Donc, à vous d'aller voir ça pour l'instant. Puis, ça va être une série de vidéos choc. Code civil du Québec. Article 1. Tout être humain possède la personnalité juridique. Il a la pleine jouissance des droits civils. Alors, si on prête bien attention ici, on voit bien qu'il est réellement question d'un être humain et il possède une personnalité juridique. Donc, une possession ici et non pas un état. Il possède la personnalité juridique et il n'est pas la personnalité juridique. Et c'est clairement indiqué ici dans le Code civil du Québec, article 1. Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Article 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Donc, on voit encore ici la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique qui est sa possession. Mon nom, c'est Pierre. Je suis l'homme qui possède la personnalité juridique nommée Pierre Daou, ayant le numéro d'inscription 119-66-04-11-28-51. Je vous dis ça parce que à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, c'est clairement écrit que tout être humain possède la personnalité juridique. Quoi? Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Mais tu fais ce que tu veux, mec. Vocabulaire juridique de Gérard Cornu. Possession. Pouvoir de fait. Exercer sur une chose avec l'intention de s'en affirmer le maître. Le droit romain fut le premier à inventer le concept de personnalité juridique, dissociant ainsi la personne de l'être humain. Donc, votre nom, qui vous a été donné à votre naissance par vos parents, est un outil pour nous permettre de se distinguer et de s'identifier les uns des autres. Pourquoi est-ce que c'est important de faire cette mention-là? Parce qu'il existe à côté de vous une personne légale qui porte le même nom que vous. Cette personne légale-là, qu'on appelle aussi une personne juridique, elle n'est pas faite de chair et d'os comme vous. C'est un contrat, un papier, une entité fictive,
une personne morale. Et même si ça porte le même nom que vous, ce n'est pas vous. Par écrit, on peut facilement voir la distinction à cause des lettres majuscules qui sont entièrement utilisées dans le cas de la personne morale. Mais verbalement, ça fait aucune différence. Et ça, c'est une des façons que l'État et le gouvernement prennent pour nous berner dans leur système légal. Est-ce que le fait de posséder une auto vous oblige à toujours l'avoir, à toujours l'utiliser? Ben non. Pas du tout. Ben c'est la même chose. La personne juridique, de par la loi, vous la possédez. C'est à vous. Mais vous n'êtes pas toujours obligé qu'elle soit rattachée à vous. Important à comprendre. Notre personnalité juridique, c'est une société privée aussi. À quoi on reconnaît en fait une personnalité juridique d'un être humain? Ben en fait, c'est le nom. Ton nom est tout en majuscule sur ton courrier, ton nom est devenu tout en majuscule comme les sociétés. Alors que sur ton acte de naissance, en fait, il était avec une majuscule initiale et ensuite le reste en minuscule. Et juridiquement, c'est la différence entre un nom d'un être vivant et le nom d'une entité fictive, sans âme. Tu n'es pas la personnalité juridique. Tu n'es pas cette personne. Cette personne, c'est une fiction juridique sans âme. Il y a vraiment une faute administrative, en fait, qui nous marque comme des sociétés, pour qu'on puisse interagir avec les sociétés sous forme de contrat. Donc cette personnalité, bien sûr, a un numéro de sécurité sociale. Pour agir avec ta personnalité juridique, pour avoir de l'autorité sur elle, il faut que ce soit une autre société. Donc il faut que l'État, la police, tout ça, ça soit des corporations. On a des indices, des preuves, qui montrent, en tout cas à Washington DC, que la France est bien enregistrée comme une société. Société France, en tout capital. L'État, en tout capital. C'est très important cette dénomination. Le gouvernement est une société, et donc elle interagit avec nous sous forme de contrat. Il y a vraiment une fraude sur le nom, puisqu'on a vu que c'était du tout capital, et le tout capital, c'est quand tu recherches, c'est pas du français. Donc si c'est pas du français, c'est étranger. Si c'est étranger, ça rend le contrat caduc. Tous les contrats avec des noms tout en capital, ça rend le contrat caduc, puisque c'est pas du vrai français, tout simplement. On appelle ça du dog latin, du latin de cuisine, ou du latin dégradé, ou de la glose, la glossa. The normal telephone dictionary and define gloss. You won't find glossa, G-L-O-S-S-A, in all uppercase, because the words on the normal dictionary and words on the legal dictionary appear different. The legal dictionary words appear in the gloss, because it's the Justinian glossa system, and they're signs. So what they are, most of them have a similar meaning. Dog Latin, the Latin of illiterate persons. The Latin of people that can't read, that's what literate means. Latin words put together on the English grammatical system. When you read this all uppercase text on a document, you will assume, because you can't read, that legal dictionary is saying they use this for the illiterate people that can't read. You will assume that John Paul Smith is your name, translated correctly into Latin. The Latin would come as John-Paul-Smith. That's the correct language. This is dog Latin. This is a presumption, but in fact says absolutely nothing. So the problem that we've found is that all the court, the new style of court documents, probably since the Federal Reserve and that's taken over, they've actually dogged all the instruments into such a way, and they've also removed Latin and grammar from schools in order that our children are actually missing the ability to read the actual fact. So when it seems like government officials, court clerks, or the police are speaking English, they aren't. They're speaking legalese, designed to make you agree to verbal and written contracts without even knowing about it, all spun from Black's Law Dictionary. Mais quand on dit Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, le ministère de la Justice s'est adressé à Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, mais en commençant par Normandin, en voulant dire Monsieur Normandin. Ils n'ont pas dit Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Ils ont écrit Normandin, virgule, Jacques-Joseph Pierre-Antoine. Voyez-vous, ça veut dire Monsieur Normandin, et quand c'est Monsieur Normandin, c'est une chose inanimée, intemporelle, qui date de la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, qui fait que tout ce qui appartient à votre nom de famille, à votre personne physique, qui est inanimée, qui est intemporelle, qui est une fiction,
qui n'a pas d'entité, monsieur ou madame ou mademoiselle Normandin, ce sont des propriétés intellectuelles du gouvernement. Oui, André Alain. Éric Bigrat, Jacqueline Bureau, Alexis Clément, Pierre Galland. Il va être représenté. Il va être représenté. Il va être représenté par moi. Est-ce que l'avocat qui représente M. Pierre Galland dans la salle? Mais je comprends pas. Qui est Pierre Galland? Il y a là, mais comment je vais représenter? Il y a vous, avocat? Non. Alors, seulement les avocats peuvent représenter des gens dans le tribunal. Pardon? Seuls les avocats ont le pouvoir de représenter des gens devant le tribunal. C'est le droit de les pardon? C'est le droit de les établir. Oui, monsieur. C'est le droit de faire. Alors, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Il y a là, c'est le droit de faire. Quel est votre nom, monsieur? Je suis quoi? Monsieur, à quel nom est votre permis de conduire? Quel est votre nom enregistré au gouvernement? Êtes-vous avocat? Non. En vérité, la salle de l'interprète. Camille Bourbeau. It's your Christian name, Arnie. That is the truth. That's the real name. That's all there is. So when you kill that, you kill the Christ in you. And you become a trustee of the state-owned name. Because it is only the state that joined your Christian name and your surname together. And that's evidenced in Queensland on the certificate of birth. It's got it right there. I, Office of Registrar General, whoever it may be, at this time it's David John, hold the full name, written in a proper noun, without any breaks, in my custody. Yeah, he holds the name. So any accounts that come in that name are his accounts, are his debts. But if you believe that you're that person, if you believe that that account is yours, well, it's not, it's his, and then you accept the debts in the mail under that name, the full name, as well as your surname, then you're accepting to be the Registrar General's debtor, trustee, without any compensation, because you didn't know your true full name, which is only your Christian name. I hope you don't believe this, because can you imagine if everyone started to work it out and went, oh my gosh, that would be the end of the system. Ah, the government. It loves you and wants to keep you safe and well. It even wants to make paying taxes, fines, and court costs easier for you. How? Well, you'll need to meet your straw man. He was born the same day you were. He looks like you, has the same name, and lives in your house, but you never knew he existed. You will have even paid his parking tickets or taxes. The worst part? He's been dead from day one. From every birth certificate, a legal personality, or legal fiction, is created with the same name to confuse little old you into thinking it's you. So, there is a human you and a paper you, or as it's commonly known, a straw man. Pour revenir donc sur la fraude du nom, la personnalité juridique, il n'y aurait pas de mal à reconnaître ta personnalité juridique, au départ, si elle t'appartenait. Sauf que ce nom-là, la carte d'identité, elle t'appartient pas. Et le nom qu'il y a dessus, il t'appartient pas non plus. Ça, c'est ta personnalité juridique. Donc en fait, en reconnaissant être citoyen et être cette personne-là, tu deviens automatiquement sujet de droit, et donc tu payes tes impôts, on va te retirer des points, on va te mettre des taxes, on va te faire payer les autoroutes, tous les trains, tout ça. Alors qu'au départ, tu as des droits inaliénables en tant qu'homme qui balayent tout ça. Mais c'est toi qui acceptes pour la sécurité et les privilèges de devenir citoyen, et donc de devenir sujet à ces droits-là, à ces codes. Donc elle est là, cette fraude, cette personnalité juridique, elle ne t'appartient pas, elle appartient à l'État, et donc tout ce qui appartient à cette personnalité juridique appartient à l'État.
Et comme toi, tout ce que tu possèdes, tu l'as inscrit sur le nom que tu crois être toi, eh ben, tout ça, ça appartient à l'État. Mes enfants sont à l'État. Le nom de mes enfants, tu vois, en tout majuscule, ils sont à l'État. C'est pour ça qu'ils ont le droit de reprendre leurs enfants s'ils les voient maltraités, par exemple. On peut reprendre ta voiture, on peut te reprendre ta maison. En fait, rien ne t'appartient. Tout appartient à ta personnalité juridique, aussi appelée homme de paille. Et le fait que ça appartient à l'État, tout ce que va posséder la personnalité juridique est possédé par l'État, par le directeur d'État civil de ta ville de naissance. Et après, au-delà, on va jusqu'à la couronne d'Angleterre, puisque on appartient au royaume, on appartient à la reine d'Angleterre. Je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Did you know that whenever you register something, you are handing over title to the person you register it with? That's right. Whenever you register something with the government, they assume it belongs to them. Registered your car? Super! Now you are the registered keeper of your vehicle, and the government can crush it when you don't pay your, straw man's taxes. Expecting a new bundle of joy? Well then, you need to register your little darling with a birth certificate. Then they can start the process all over again and create a new straw man for your little one. Isn't that great? So when Junior grows up, he'll be able to generate revenue just like you have. When you notify on your baby by signing the birth certificate, your child becomes a ward of state. And if the government doesn't like what you're doing, they'll assume it's okay to take the child away or make new rules for things they don't like. Not enough school? Smacking your child? Shouting too loudly? Then it's off to social services for the little one. Il faut savoir qu'une personne physique, qu'une personne morale, qu'une personne juridique, qu'un individu, tout ça, ça a des définitions juridiques très précises. Et la définition juridique, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, est un texte de loi. Donc c'est un texte juridique qui répond à des codes, qui répond à un langage, à un jargon, qui est du latin dégradé, qui vient du code justinien, qui vient de l'armée. Tu vois, c'est un langage vicié pour nous. Parce que nous, on emploie couramment ces mots-là dans un autre sens. Par exemple, dans un tribunal, quand le juge te demande « est-ce que vous comprenez les accusations ?» Toi, tu te dis « comprendre, c'est comprendre. Est-ce que j'ai compris ce qu'il a dit ?» Bah oui. En fait, non. Ça veut dire « c'est est-ce que vous acceptez ?» Donc le mec, il dit « est-ce que tu acceptes mes accusations ?» Toi, tu dis « oui, oui, oui. » Et puis voilà. Ils n'ont pas d'autorité sur toi. On est considérés comme des animaux à quatre pattes qui aboient dans une cour de justice. Et donc tu as le droit de garder le silence si tu n'as pas de maître. Tu comprends? On dépend en fait des lois maritimes, en fait des lois de la mer, les lois du commerce qui sont très 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 vieilles. Donc nous, encore aujourd'hui, on est considérés comme des navires sans drapeau. C'est avant, c'était pour la marine marchande. Donc on est considérés comme des navires sans drapeau. Ta mère était un navire sans drapeau quand elle t'avait, mais elle avait une marchandise, c'était toi. Et en fait, à ta naissance, on a égaré cette marchandise qui était toi en tant qu'être humain. On t'a déclaré perdu en mer, à ta naissance, pour que tu sois officiellement mort, légalement mort, et il te faut attendre 7 ans. Et donc on a tous été déclarés morts en mer à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, il ne reste plus que la personnalité juridique. Et donc tu ne sais pas qui tu es, parce que tu crois que tu es elle. Quand on dit vous êtes aussi Anthony machin, donc monsieur déjà c'est un titre, toi tu penses que c'est toi en fait. Mais tu vois pas la différence entre majuscule, minuscule et tout en majuscule. Donc c'est pour ça, toi tu dis oui c'est moi, et voilà, tu viens de remplir un contrat verbal en acceptant d'être cette personnalité juridique qui n'est pas nous et qui elle est soumise à toutes les lois des sociétés. Pour la personnalité juridique, si tu la connais pas, elle est sur ton acte de naissance, c'est elle qui est née, c'est pas toi. Toi tu n'as pas une date de naissance ou une date d'enregistrement. C'est les sociétés qui ont des dates de naissance. Donc toi, tu as un anniversaire. Et tu es de conception. Tu es un être humain. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail. Quand tu vas à l'église. Ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Oui,
Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis bien avec la directrice de l'état civil ? Oui, tout à fait. J'aurais voulu savoir, je suis administrateur d'une personne juridique, et j'aurais voulu savoir la démarche qu'il fallait faire pour faire rétroagir la date de naissance à la date de conception. Rétroagir la date de naissance à la date de conception ? Oui, comme c'est marqué dans les textes de loi. Alors, en fait, il faut vous adresser au procureur de la République de... D'accord, très bien. Et lui serait à même, justement, de pouvoir... Alors là, après, il faut voir avec eux. Hein. C'est eux qui vont vous dire ce qu'il en est. Il faut contacter le parquet civil, en fait. Hein. Le parquet civil, très bien. Voilà, vous demandez le parquet civil au tribunal de grande instance. Donc, d'accord. Après, ils enregistrent votre demande et ils vous remettent, s'il y a un formulaire spécifique à remplir, ils vous le remettent. Et en attendant, est-ce que je peux encore utiliser, justement, cette personne juridique pour faire des démarches ? Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Eh bien, je vous remercie bien, en tout cas. Je vous en prie. Merci, bonne fin de journée à vous. Au revoir. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, je reprends la communication. J'appelle de la part de l'état civil. J'aurais demandé comment faire une démarche. Ils m'ont dit de vous appeler. Et je voudrais faire rétroagir la date de naissance à la date de conception. Allô ? Attendez. Oui. Oui. La date de naissance, c'est ça ? En fait, je sais que quand je suis né, l'état civil a créé une personnalité juridique avec un acte de naissance qui a été signé. Cet acte de naissance, ce n'est pas moi. La date de naissance qui est marquée dessus, comme c'est marqué dans les textes de loi, tout ça c'est basé sur des oui-dire. Et en fait, moi je voudrais faire rétroagir la date de naissance à la date de conception pour devenir l'être humain de chair, d'os et de sang, avec des droits inaliénables et imprescriptibles, et qui administre la personnalité juridique que j'ai. Parce que tout ça, ce sont que des bouts de papier. La personnalité juridique, au sens du terme juridique, la personne juridique est une personne morte sans âme. Et moi, je ne suis pas une personne morte sans âme. Je suis un être humain de chair, d'os et de sang, et bien vivant. Et j'ai déjà été reconnu en tant qu'être humain par un maire d'un village, et aujourd'hui je voudrais faire rétroagir cette date de naissance qui n'est pas la mienne à celle de l'être humain. Je sais qu'il faut faire un courrier parce que tout le système d'état civil a été créé par c'est votre patron, mais j'aurais voulu savoir à l'état français comment j'aurais pu faire pour faire résilier cette date de naissance à la date de conception et pouvoir supprimer tous les contrats qui ont été faits, la journée d'appel militaire, comme quoi je suis bien enregistré comme réserviste à l'armée en France et je veux pas être réserviste, je veux pas être un militaire, je veux pas faire la guerre, je veux pas tuer les gens, je veux pas être un criminel. Ça, je sais pas. Il faudrait vous adresser un avocat parce que c'est lui qui fera les démarches auprès des tribunaux pour faire votre requête. Mais c'est, je veux pas avoir un avocat. Un avocat ne peut pas représenter l'être humain, et pourtant l'état civil m'a dit que c'était vous qui vous occupiez de ça. Elle m'a dit appelez-les, ils feront ce qu'il faut, et là j'ai l'impression que vous savez pas trop de quoi je parle. Oui, parce que là vous écrivez à monsieur le procureur, que vous expliquez tout votre... Et est-ce qu'il est possible d'avoir un procureur là juste au téléphone Non, ça se fait tout seul par écrit. Et on transmet votre courrier à monsieur le procureur. Il prendra sa décision. Très bien, ben je vous remercie alors. Je vous en prie, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. When you get a bill, it's sent to you but belongs to your straw man, not you. That's why bills, fines, and summons start with Mr., Mrs., or Ms. Sometimes you'll see your surname in capitals, just like on a gravestone. That's because your straw man is dead and just a silly piece of paper, created before you could comprehend or even consent to it. When you go to court, you represent your straw man, so you, the human, take on any costs, fees, taxes, and fines involved for the straw man. The human you doesn't even need to pay them. But you made a contract with the court by appearing on behalf of your legal personality or straw man, just like the government knew you would. Confused? Well, don't worry. The government doesn't want you to know anyway. If you knew, you'd stop paying things like council tax and parking tickets. Because when you go to court, you are representing your straw man. You are you, alive and made of flesh and blood. Your straw man, or legal personality,
is a piece of paper created from your birth certificate. And you think it's you. What a silly Billy. Alright, sit down, please, sir. Just me. Alright, just me. Just me? Key. I'm here to correct a mistake by the court. And by the court. Well, first of all, if the court has made a mistake, are you Wilfred Keith Thompson? No, that's not what I normally go by, no. Can I see an information? Petition affidavit in terms of person legally speaking, sir. I've tried to clarify this a few times, but apparently the level of the topic. So your name is Keith Thompson? My name is Keith. That's all. Nothing more, nothing less. You don't have a last name, sir? I have a family name, clan name, but that's irrelevant today. So you are not Wilfred Keith Thompson? Okay, one more time on for the record, I am Keith. Nothing more. And sit down, sir. I'm looking for a Wilfred Keith Thompson. Please sit down, sir. Actually, please sit down, sir. Sorry. Can't do that. I served into the court this morning. Sir, I'm looking for a Wilfred Keith Thompson. Bailiff, you are not that this person. Is a, sit down, sir. Bailiff, I... Please remove this gentleman from the courtroom. Thank you. That's the person you're looking for. Please, sir, that is the person. I'm trying to remedy things. Touch me, and you will be tried. I'm a Keith Thompson. You want to dishonor a court official? The defendant's on the bailiff's desk. Sir, are you here on behalf of Mr. Thompson? I said I was the administrator to that account. Are you here as agent for him? Could you guys please back up? Thanks. Are you here as agent for him? Not as agent, as administrator, much like you are administrator of this court. Sir, you're either him or you're here as his agent. I'm just speaking on his behalf. Are you either of those? Yes, it's awful. Pardon? Yeah, he's in common law jurisdiction, which I established as soon as I came in here this morning and reestablished again. The bailiff understood me. This other bailiff, wherever she went, she understood me as well. And this gentleman doesn't like talking. We're going to take a recess. Thank you. Thank you. All right. How long? How long, sir? I don't have all day, thank you. I have things to do. We'll take the court. Yeah, actually, please note that the judge has abandoned the court. Abandoned ship, and I, as the sovereign in this room, claim authority, case dismissed, with cause and prejudice. Have a nice day. See you later. So if you think you know your name, but it's the wrong name that you give in a court or on a contract, and you can sort of see that things can go pretty bad for you. If you think about it and look carefully on your birth certificate, your state birth certificate, it gives you a name and a surname. And it's very clear and precise about that. Even the writing, the grammar is clear. Your name is John Paul, and that the surname, or the family name, is Smith. There's two different names there. So if you assume your name is to be John Paul Smith as one name, then how did you do that? How did you come up with that? Quand un produit est sorti d'un bateau, et apportée à une nation étrangère, qu'une nation prend la garde de cette ressource. Elle est représentée avec un certificat. Le certificat affiche la date de naissance du produit pris en garde par la nation en question. Demandez-vous, pour commencer, pourquoi il est supposément requis d'avoir un certificat de naissance de vie. Le dictionnaire Barane des termes bancaires définit un certificat comme un papier établissant une revendication de propriété. Dès lors, on remarque que n'importe qui avec un certificat de naissance est défini comme une propriété. La propriété de qui? Something else that's interesting, one of the researchers, that book I had, the Styles Manual, it's not close by, but about page 520 something, it tells you Mr., Ms., Mrs., and Ms.
are all titles for the lowest rank in the military. Now that comes from the Australian government. They've told us that. That's straight in their own book. So the book tells us, okay, a name has to be written as a proper noun, a corporation can be written in symbolic text, which is all capitals, and that your title, Miss, Mr, Ms or Mrs, means that you're the lowest rank in the military. So it's all there, guys. Going post, send it all back. Stop using your date of birth to identify yourself. Use your date of registration, which you'll find on the bottom of your birth certificate. Use your Christian name only, because that's the only one you've actually been given. It's actually a proper noun. You should have a patronymic, which is your father's name, or a gens, which would be the family name, but they're gone. That's we think that the Vatican have taken that paperwork and they've got it, and for you to access it, the only way to access it is via your Christian name and your Christian date of registration. Est-ce que vous avez votre permis de conduire, s'il vous plaît? Je n'ai pas avoir le permis de conduire, je dois juste respecter le code de la route. C'est marqué dans aucun texte de loi que j'ai l'obligation d'avoir un permis de conduire, aucune loi. Et il n'y a aucune loi qui dit que je dois avoir une carte d'identité. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas le droit. Si je vous donne mon nom de famille, je n'ai pas le droit de vous donner mon nom de famille. C'est appartient à la France. C'est protégé et je ne suis pas votre esclave. Et c'est pour ça que je viens de citer... Vous parlez pas de ça, monsieur ? Bah si, parce que là, en fait, vous voulez passer un contrat commercial avec moi. C'est l'article 226, donc vous venez de tromper. L'article 226-13. On passe pas de contrat commercial. Bah si, vous voulez mon nom de famille. Donc moi, maintenant, je veux votre nom, prénom. Vous avez une pièce d'identité ? Je n'ai pas de pièce d'identité. La pièce d'identité n'est pas obligatoire. C'est pas monsieur, c'est Loan. Je vous n'avais aucune juridiction sur moi. Je vous appelle monsieur, je suis correct, monsieur, je vous appelle monsieur. Bah, pour moi, monsieur, je vais pas vous tutoyer, je vais vous appeler par votre prénom. Si, moi je vous demande, appelez-moi Loan. Je me dois d'être correct, allez-vous. Non, correct, moi monsieur, c'est pas correct, parce que c'est un rang militaire. Monsieur, madame, avocat, huissier, maître, je n'ai pas de rang militaire. Monsieur, c'est une marque de politesse. Non, pas du tout. Non, dans les termes juridiques, c'est un rang militaire. C'est un rang militaire. C'est madame, oui. Non, c'est un rang militaire. C'est le plus bas. Madame, c'est un rang militaire, madame. Oui, c'est le plus bas. C'est pour ça qu'on dit plus mademoiselle. Et ça a été changé dans les codes de loi il y a peu de temps, parce que c'est madame, c'est un rang militaire. Alors, monsieur. Appelez-moi Loan, si vous voulez pas, monsieur. Je vais vous placer en garde à vue. Mais je n'accepte pas, je consens. Dans le cadre de la garde à vue. Il n'y a aucun accord tacite de ma part. Dans le cadre de la garde à vue, monsieur, vous m'écoutez, comme ça vous comprendrez tout ce que je dis. C'est pas monsieur, je vous l'ai dit, vous respectez ma dignité, c'est Loan. Pas monsieur, je n'ai pas de rang militaire. Monsieur, c'est un rang militaire. Vous n'êtes pas madame, je ne vais pas vous appeler madame. Bah, vous m'appelez Loan, comme on m'a dit, c'est mon nom d'usage. Vous êtes placé en garde à vue. Dans le cadre de la garde à vue, vous avez la possibilité de faire prévenir quelqu'un, vous avez la possibilité de voir un médecin, vous avez la possibilité de vous faire assister d'un avocat. Non, un procureur. Vous êtes en garde à vue pour défaut de permis et puis défaut d'assurance en même temps. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez faire prévenir quelqu'un ? Donnez-moi la loi qui dit que vous aurez quelconque autorité sur moi. Donnez-moi qui dit que la République existe encore. Est-ce que vous voulez faire prévenir quelqu'un ? Un procureur. Vous devez la connaître. Le procureur de la République. Vous voulez faire prévenir ? Je vais le prévenir et vous êtes en garde à vue. Donc, soit ce sera fait. Non, mais dites-lui qu'il y a tout ça. Oui, mais je vais lui dire que vous êtes en garde à vue. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez faire prévenir un membre de votre famille ou votre employeur, monsieur ? Répondez à ma question. C'est pas monsieur, je vous demande. Mademoiselle, voulez-vous faire prévenir quelqu'un, un membre de votre famille ou à votre employeur ? Vous manquez de respect, là. Est-ce que je vous manque de respect ? Est-ce que je vous ai insulté ? Est-ce que vous voulez répondre à ma question ou pas ? Sinon, je vais dire que non. Non, je ne veux pas, j'accepte rien du tout, je ne signe rien du tout. Je ne vous demande pas de signer, je vous demande si vous voulez faire prévenir quelqu'un, si vous voulez un avocat. Je vous ai dit, appelez le substitut procureur, le préfet au courant. Vous n'inquiétez pas, voilà. Oui, mais tout est déjà sur YouTube, tout le monde sait que je suis déjà ici, il y a 300 êtres humains qui savent que je suis là, que le préfet est au courant, que la Cour européenne et la Cour internationale aussi. Vous n'avez aucune autorité, la France est terminée, elle est forclos depuis fin 2016. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Donc la fraude du non légal, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on représente sans arrêt une personne qui n'est pas nous. Nous ne sommes pas des personnes. Les personnes sont mortes. C'est autre chose que des hommes. Et c'est bien pour ça que les lois des personnes peuvent obliger les personnes, mais pas les hommes. Une personne n'est pas un homme. Une personne est une fiction juridique. Dans tous les codes, c'est une fiction juridique. Une personne physique, une personne morale, une personne juridique, un individu, un contribuable, un citoyen, tout ça c'est des fictions. Tous les codes, tout ce que l'autorité, que tu appelles l'autorité, nous force à faire,
Elle ne nous force pas à le faire. C'est une société, et elle peut imposer ça, avoir de l'autorité, que sur les sociétés. Elles ne peuvent avoir d'autorité que sur les personnes juridiques. Que tu n'es pas. Toi, tu es un être humain, fait de chair, d'os et de sang. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la façon juridique de se déclarer vivant, de se déclarer non représentatif de cette personnalité juridique. Ton nom, tout en majuscule. Ils n'ont pas d'autorité sur nous. Comment ils font pour en avoir? Tu vois, pour nous faire payer? Ben, tout simplement parce que tu acceptes de représenter ta personnalité juridique. Alors que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, celle de 1948, stipule donc à son article 6 que chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu. Qu'est-ce que c'est un droit? Un droit, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé. Tu peux renoncer à ce droit. C'est ce qu'on appelle renoncer. Tu renonces à un droit et tu réserves tous les autres. Donc tu peux tout à fait, et c'est dans tes droits inaliénables, intangibles, de ne pas représenter ta personnalité juridique, tout simplement. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 16. Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. On voit encore clairement ici que c'est un droit. C'est pas une obligation d'être reconnu en tant que personne juridique. On est d'abord et avant tout des êtres humains, des hommes et des femmes. En comprenant bien qu'on possède la personnalité juridique, qu'on a le droit à la reconnaissance de celle-ci, mais que ce n'est pas une obligation, c'est là qu'on peut reprendre notre place en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femme. Parce que ce qui se passe, c'est que les êtres humains, les hommes et les femmes, en position d'autorité, présument automatiquement que vous êtes une personnalité juridique. Et vous considèrez même pas comme des humains, même si la plupart d'entre eux sont même pas conscients de ça. Mais vous êtes automatiquement attaché à votre personnalité juridique avec toutes les choses qui s'y rattachent. Il est là le drame, dans le fond, tu sais. On nous a transformés en personnes légales. On nous a transformés en fiction légale. Tu sais, à l'école, on nous a appris à être Pierre Daou au lieu d'avoir Pierre Daou. C'est ça le drame. On a été floué. Êtes-vous Pierre Daou? T'sais? On veut que je dise oui à cette question. Puis la réponse, c'est non. Je ne suis pas Pierre Daou. J'ai Pierre Daou. C'est mon nom. Je possède ce nom. Je possède cette personne légale. Et ma job, c'est de l'administrer. Et pour bien administrer cette personne légale que je possède, j'ai besoin de tous les outils nécessaires. Un de ces outils-là s'appelle la sûreté de sa personne, tel que décrété à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Cette fameuse sûreté, lorsque l'État se pointe, ou une de ses agences, ou une de ses zones administratives, j'en ai besoin. Parce que je ne suis pas la sûreté de Pierre Daou. J'y ai droit. C'est très différent. Et si je la réclame, on doit me la livrer, cette sûreté. C'est ça le deal. C'est ça le contrat social. Vous avez le droit d'apprendre la vérité. Et la vérité, c'est que non, je ne suis pas Pierre Daou. Je possède cette entité légale. Et j'ai droit à la sûreté de cette entité légale. La seule et unique raison pour laquelle on veut que nous soyons cette personne légale, c'est la dette publique. On veut que nous soyons la sûreté de cette dette publique. Ça tient par un fil, cette histoire-là. Une sûreté, c'est une garantie monétaire. C'est rien d'autre, légalement parlant. Peu de gens savent aujourd'hui que l'histoire des États-Unis, depuis la Révolution de 1776, a été en grande partie une lutte épique pour se libérer du contrôle des banques mondiales dominées par les Rothschild. Cette lutte a finalement été perdue en 1913, quand le président Woodrow Wilson a signé la loi de la réserve fédérale, donnant le pouvoir de créer l'argent américain à un cartel de banques internationales.
Le pouvoir de ce système est profondément ancré. Et le silence des médias et du monde de l'éducation à ce sujet est profond, lui aussi. Il y a des années, un vice-premier ministre du Canada a fait un sondage informel auprès de nombreux professionnels bien éduqués et auprès de simples citoyens. Il a constaté qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment comment l'argent était créé. En fait, on peut probablement dire que la majorité des gens, y compris les simples employés des banques, n'ont jamais réfléchi à la question. Et vous ? Le système moderne de l'argent-dette est né il y a un peu plus de 300 ans, quand la première banque d'Angleterre a été créée par une charte royale, lui autorisant des prêts fractionnels de dépôt d'or au ratio de 2 pour 1. Ce modeste ratio était le premier pas. Le système est maintenant mondialisé. Il crée des quantités virtuellement illimitées d'argent à partir de rien. Et presque tout le monde sur la planète est enchaîné à une dette sans cesse grandissante, qui ne pourra jamais être repayée. De toute évidence, l'enjeu est considérable. Have you ever heard that saying, banks create money out of thin air? It's, you hear that a lot, don't you? There's documentaries about it. There's a lot of people on YouTube and on the net talking about banks creating money from nothing, money from thin air. Well, that's probably what the banks want you to believe as well, because while you believe that, you won't know how banks really work. And that's how banks need you to be. Because banks don't create money from thin air. They create the dollar from thin air. And a dollar is a debt note. A dollar is not money. So what the banks do is they create the debt out of thin air, not the money, the debt. And you spend the rest of your life creating the money, which is the real wealth, the gold, the silver, the oil, the energy. You create that to settle the debt that was created by the bank. So the bank does not create money from thin air. It creates the dollar, being the debt. And a debt is a lot easier to create than money. It can create a debt like that. So that's the difference between the dollar and the money. The money is positive, the dollar is a negative. And to create a negative, then to confer the negative upon another unsuspecting person, then that person will spend the rest of his life settling the dollar with real money. But you will also notice that when you want to borrow from a bank, the bank does not lend you the dollar straight up. The bank gives you one of their accounts to hold, so that no matter what you do with their account, it is your liability. You are the one that held the account, that acted as the account holder, and you are the one holding their account that agreed to borrow the dollar and place yourself in debt for the rest of your life. So that's how it works. The banks don't create
money from thin air. They create the dollar, being the debt. La nécessité que nous avons de rembourser nos dettes, de réduire nos dépenses, d'augmenter notre compétitivité, agence de notation ou pas, elle est clairement posée. Nous avons presque 1 700 milliards de dettes, il faut le rembourser. Enfin, en ce début d'année, la France emprunte pour rembourser sa dette à un taux historiquement bas. La France emprunte pour rembourser sa dette. Les prêts que contractent nos gouvernements auprès des banques centrales ne seront jamais remboursables parce que les gouvernements empruntent tous les jours, quotidiennement, de l'argent aux banques pour financer le système de santé, le système d'éducation, les allocations familiales, vos fonds de retraite et tout ce que vous pouvez imaginer. Les gens sont utilisés comme nantissement ou comme garantie avec les autres nations parce que la nation est en banqueroute. Exemple, les États-Unis ont déclaré banqueroute le 9 mars 1933. À partir de là, les États-Unis ont commencé à prendre des prêts d'une corporation privée non affiliée avec le gouvernement, appelée la Réserve fédérale. Sans argent pour repayer les prêts, les États-Unis ont commencé à utiliser les citoyens comme garantie. Tous certificats de naissance ou de mariage sont littéralement des reçus d'entrepôt. Faites juste regarder les similarités. Tous deux ont une date d'émission, un numéro de série, un numéro d'enregistrement ou numéro de reçu, une description du produit et un informant autorisé pour notifier l'agence gouvernementale appropriée. Malgré toutes ces informations facilement accessibles, la majorité des gens sont ignorants de leurs implications dans le droit maritime. C'est rendu possible par la manipulation linguistique. Le droit maritime a changé la signification du mot « personne » d'une personne naturelle vivante à une corporation. Permis de conduire, enregistrement de véhicule, formulaire d'assurance auto, permis de construction, permis de port d'armes, permis de travail, formulaire d'impôt, certificat de naissance et de décès et plusieurs autres formes de documents qui ont déjà été crus comme absolument nécessaires ne s'appliquent qu'à une personne ou une corporation sur signature de ce même document légal. Vous diminuez directement vos droits sous la Constitution et rabaissez votre statut à celui d'une corporation qui est créée avec exactement le même nom que vous. La seule façon de reprendre votre véritable nom du nom de la corporation est de remarquer que la corporation a son nom entier en lettres majuscules. C'est ce qui s'appelle « capitis diminutio maxima ». Vous remarquerez que votre permis de conduire, certificat de naissance, carte d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, assurance, etc. utilisent toutes les lettres majuscules pour représenter légalement la corporation qui porte votre nom, pas vous. Ici au Québec, tous les êtres humains, tous les hommes et les femmes, ont droit à la sûreté de sa personne, OK? Ça fait plusieurs années que je vous dis que la sûreté de sa personne est le seul élément légal qui nous garde hors de l'esclavage. C'est-à-dire que il y a une dette ici au Québec, on appelle ça la dette publique, et puis, c'est impossible de mettre des hommes et des femmes en collatéral versus cette dette publique. ce que l'État fait, l'État nous crée ou nous ratifie des personnes légales lorsqu'on vient au monde, quelques jours après notre naissance, et met ces personnes légales-là en collatéral versus cette dette publique. La raison, c'est que l'esclavage est complètement interdit par la loi sous toutes ses formes, dont la forme économique. Donc, c'est impossible pour l'État de mettre un homme ou une femme en collatéral versus la dette publique.
Et pour contrer, pour faire en sorte de ne pas faire de nous des esclaves, ben ils vont mettre nos personnalités juridiques ou notre entité légale en collatéral versus cette dette publique. Avec cet acte de naissance, ils ont déterminé par le biais de tables de mortalité actuarielle, ils ont pu déterminer combien on coûtait, combien on allait rapporter, combien on était estimé par le biais des assurances-vie, le calcul des assurances-vie. Quand ils nous ont estimé, mais la personnalité juridique, ils l'ont transformé en bien financier, une valeur mobilière, qui se servent de nos personnalités juridiques et de l'énergie qu'on va dépenser toute notre vie pour faire des crédits, pour se servir de nous comme des garants, des garanties, des cautions, pour financer l'État. Si bien que sans nous, ils n'auraient pas de financement. C'est parce qu'on consent à être dans la société qu'ils ont de la puissance. Sans nous, ils n'ont rien du tout. Néanmoins, la personnalité juridique qui ne vous appartient pas, elle est associée à des numéros. Je ne sais pas si ça vous parle, mais souvent, le gouvernement vous dit que les Français sont rattachés à la dette publique et qu'on est endetté et qu'on doit payer par foyer ou par personne. Parce que la personnalité juridique que l'on représente, qu'on travaille pour elle, elle est reliée à des numéros, et ces numéros sont des numéros de compte sur lesquels ils se servent de nous, ils se servent de chaque personnalité juridique pour faire des emprunts. Et donc, avec cette valeur-là, ils ont transformé la personnalité juridique en titre financiarisable, et ce qui fait qu'ils se servent des personnalités juridiques qui sont représentées par nous comme garantie, et créer la dette. C'est pour ça qu'on est rattaché à la dette, les gars. Parce que les numéros qu'on représente, associés à la personnalité juridique qu'on représente, créent la dette. C'est pour ça, avec ces comptes-là, qui nous relient à la dette publique. J'ai été emprisonné le 12 décembre 2014. On m'a libéré le 7 janvier 2015 parce que je connaissais la loi et parce que je suis gênant, parce que je demande au gouvernement, je demande aux avocats, aux juges, aux notaires, aux huissiers, aux policiers et surtout aux comptables de respecter l'article 1 du Code civil du Québec et de respecter et d'appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12, dans lequel ils reconnaissent la distinction entre l'être humain et la personne physique, et surtout par lequel article nous avons une sûreté qui se trouve à être votre certificat de naissance du directeur de l'État civil du Québec, et votre sûreté vaut, a une valeur par individu ici au Canada, mais en tout cas ici pour le Québec, entre 4 millions et plus de 15 millions de dollars. Moi, ma sûreté à moi est à 13 300 000 $. Je connais quelqu'un qui a une sûreté qui est à 4 millions de $. Et ça appartient à la personnalité juridique. Donc, ça appartient toujours au gouvernement. Ça appartient à la personnalité juridique Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, à qui on a confié la personnalité juridique aussi, Jacques Normandin, qui lui a un numéro d'assurance sociale 231-249-525. Et oubliez pas, quand on parle de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin ou de Jacques Normandin, dans la tromperie, dans les perfides composantes de l'instruction des avocats, de l'éducation des avocats, des juges, des notaires et tout ça, cette perfidie-là que commettent ces gens-là, savent que quand ils vous appellent Monsieur Normandin, Madame Normandin ou Mademoiselle Normandin ou le patronyme que vous voulez, automatiquement ils s'adressent à une chose, ils s'adressent à leur propriété, à eux autres. Cette fameuse dette publique-là, on nous la présente sous toutes sortes de formes. Il y a plusieurs formes avec lesquelles cette dette publique-là nous est présentée. Une des formes, c'est l'impôt, l'imposition. Il y a aussi Hydro-Québec. Le compte d'électricité, c'est pas une facture d'électricité, c'est un compte d'électricité. Et lorsque vous payez ce compte-là, c'est pas de l'électricité que vous achetez. L'électricité nous appartient déjà. C'est déjà à nous, l'électricité. Ils peuvent pas nous facturer de l'électricité. Elle nous appartient, vous comprenez? C'est pas facile à comprendre, ce bout-là. Ce qu'ils font, en fin de compte, Hydro-Québec, c'est qu'ils nous envoient une partie de la dette publique à racheter. Donc, quand vous recevez un compte d'Hydro-Québec, vous avez le choix de racheter cette dette-là qui vous est présentée sous forme apparente d'achat d'électricité, qui n'est pas ça pantoute,
ou vous avez le choix d'utiliser la sûreté de sa personne pour que cette sûreté puisse décharger cette dette qui est adressée à votre personne. So with the credit card, you can see they actually they need two names. They need you to give their to give them your true correct lawful name and date of registration. And then they ask you what date of birth you are, and you give the born date up here, which is the surname. The surname is the surety. So you become the surety of that account. But then when you think about it, if the bank offers you an account, then whose account is the bank account? Does it belong to you or is it their account? Because banks always call you the account holder. There's, you know, you're the holder of the account, and they always say you hold the accounts. So another question you should ask yourself, you could ask the bank this too, and it causes a bit of trouble, but at least ask yourself first. Ask yourself, am I the holder of the account or the owner of the account? So if you've got a bank account and you call the bank up and you ask that question, then you'll find out that you're the holder of the account. So if you ask, well, if you're the holder of the account, who owns the account? The bank owns the account. So if there's a debt, and like a house loan or something, then really the bank are the ones that own the debt. And you are just the holder of the debt. You know, you went in and you created it, and you agreed to it and everything under your surety name. But when it boils down to it, the bank are the owners of the debt, and you become the agreed holder for the debt under the surname. And what I did is I said, well, I asked these questions. Well, if I'm the holder of the account, would that mean that I'm the trustee of the account? And she admitted, yes, I'm the trustee. So I said, well, back to Black's Law Dictionary, if you look at the word trustee or trust in trust accounts and trust law, so the trustee is, it should be compensated as a trustee. So if I'm the trustee of the bank account or the holder of the bank account, would I not have the right to charge you a compensation for holding the bank account loan? Because the house loan is actually your loan, it's not mine, it's yours. You said that you're the owner of the account, and I'm the holder. So if I'm the holder of the account, can I charge you a holding fee? And then she said, well, you've got to pay. And I said, I haven't said I'm not going to pay. I'm offering you a choice. Would you like me to remain as the holder of your bank account? And I said, as a holder, I'll charge you $850,000 a year to hold the account. Well, I didn't refuse to hold the bank, the loan account. I just agreed to hold it. But when I found out what had happened, then I offered them the choice of I'll continue to act as the holder of the debt account, because it was a home loan account and it was a debt account. But they admitted it was their account and I was the holder. So they didn't respond. So I sent a notice, email, and also put it down to the bank and stuck it up under the window at the kiosk as you walk into the girls at the teller desk. And I said, there's a notice, and it's just a fee. If it's $850,000 a year to hold the $60,000 debt that I had with the bank, because I'm the trustee. I said, it's your account. And that was it. They didn't respond. They didn't pay the fee. So the house loan just vanished, along with all of my accounts. The reason why I could do that is because I discovered the difference between the surname and the Christian name. The bank sits in the middle of the surname and the Christian name. It's the agent. That's why they call themselves agencies. So the warning for this is, if you think you can go out and discharge or do what I did about your mortgage, you've got to give up every account related to your surname, your driver licenses, your bank accounts,
your Medicaid banks, you've got to give up everything, absolutely everything. So on the surface, it sounds like quite a good move for a yeah. lot of people to make. From a financial perspective, they're going to say that they will free themselves or clear themselves from a lot of debt, but there are trade-offs or compromises that come with that. And like, I didn't want to discuss it before, but I warn people not to do that until you completely and fully understand why the bank is there and what it is there for. Because it's not dealing with money. If you think that a bank is giving you money, it has not given you a cent. It's just given you a contract to pay them their it's their military script. And once the last payment of a bank payment is your mortgage is paid, the last payment actually voids the account. So it turns back into void. There's no more mortgage there. A bank account mortgage is just that you've gone and agreed to pay the bank a mortgage, but the home was always yours because the home belongs to your Christian name. But the post name, your surname, it's the post that's there. When you don't pay your mortgage, the bank doesn't come out to take you off. It comes out to take back its surname, because your surname appearing in dog, Latin, or all uppercase as a thing is not your property. And if you're attached to it, when the bank comes out to take your surname off, you go with it. But if you don't hold the surname, and that's what happened to me, I said, are you looking for the surname? Because it's already dead. Le procès pour l'impôt. Je savais que c'est l'âme qui décide. C'est-à-dire que l'âme est toute puissante. Et j'ai décidé de ne pas jouer le jeu de la loi. En aucune façon. J'ai seulement dit, je suis un être souverain, l'autorité suprême est à l'intérieur de moi, avec un corps, une âme et un esprit. Vous n'avez pas juridiction sur moi. C'est tout. J'ai rien fait d'autre. Et je savais que c'est l'âme qui s'impose. Et c'est comme ça que le changement, le renversement va se faire. Mais je l'ai fait et puis à un moment donné, ben ils ont arrêté. Je suis partie chez nous. Alors, c'est parce que quand il y a eu le procès, j'ai dit ça, puis ben oui, je suis partie. Et puis il a fait le procès de Guylaine Manteau, qui n'est pas moi, puis je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a deux personnes. Il y a une personne légale qui appartient à l'État, puis il y a l'autre, la vraie personne. Et donc, lui, il a fait le procès de la personne légale dans l'après-midi, mais moi, j'étais partie, il m'a presque dit partir. J'ai pris mon manteau, puis je suis partie. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça. C'est cela qui est puissant. Ça, c'est pas puissant, c'est soumis. Oui, soumis, ça rouspète, ça se bat. C'est toujours dans la guerre, dans la peur. On n'ira nulle part avec ça. On va continuer à travailler, souffrir, vieillir, mourir. C'est pas ça. On n'est plus là. C'est le temps de passer à autre chose. Et ici, la vraie paix, tout le monde veut la paix. Soit dit en passant, je sais pas s'il y en a qui pensent encore que l'ONU va établir la paix. Et tout le mouvement environnementaliste, qui est l'œuvre de l'ONU, c'est tout du mensonge. Arrêtez de croire que c'est nous qui polluons la planète. Ce sont les banquiers puis les multinationales qui polluent la planète, pas les êtres humains. Allez voir l'agenda 21 quand même. Informez-vous de ce que c'est que l'agenda 21. Les cheveux vont vous dresser sur la tête. Le plan est vraiment des camps de concentration high-tech pour les humains. Puis tout l'espace va être pour les animaux. On fait des droits maintenant pour les animaux. Des droits pour les animaux et les humains. La déclaration des droits de l'homme de l'ONU a été remplacé par l'agenda 21. Alors, allez voir ce que c'est que l'agenda 21. Et je ne veux pas passer plus de temps là-dessus.
Je veux juste qu'on prenne conscience, hein, qu'on prenne conscience que si on reste ici, c'est la fin de l'être humain avec son libre arbitre. Le but, c'est d'enlever à l'être humain le libre arbitre. Et qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est, en anglais, c'est free will. J'aime beaucoup le mot anglais, parce que c'est plus, c'est liberté de volonté. C'est-à-dire que je peux, je corps, qui s'appelle Guy, hein, ce corps-là, peut choisir son maître. Le corps est absolument obéissant. La cellule humaine est obéissante. Et ce qu'a l'être humain, c'est le libre arbitre, c'est la possibilité de choisir son maître. Et son maître peut être à l'extérieur, donc, qui est l'ego, et si c'est la société, c'est l'État, le gouvernement, ou bien l'âme. Il peut être à l'intérieur, l'âme. Et donc, l'être humain a ce choix-là. C'est pour ça qu'on essaie de dire à l'être humain, il n'y a pas d'âme, on est juste des corps, à nous ramener à ce qu'il y a de plus bas. Et c'est pour ça pour nous enlever notre âme. Et la puce pour nous enlever notre âme, c'est-à-dire qu'on renonce à notre âme pour assurer notre sécurité matérielle. Quand on parle de la puce, ce sera le test, hein, et pour ça qu'il vaut mieux se préparer. La puce, c'est, si vous voulez avoir accès à quelques services que ce soit, public, transport, magasin, quoi que ce soit, il faudra avoir la puce. Et la puce, c'est vraiment là que va se faire le choix final de céder son libre arbitre ou non. Et les gens vont avoir tellement peur qu'ils vont dire oui. Ils vont même demander la puce. Alors, sachons à qui on a affaire et sachons surtout qui nous sommes. Et rappelons-nous de qui nous sommes et prenons cette décision, et même si je ne sais pas trop comment faire, mais d'aspirer à devenir qui je suis et demander à mon âme. Quand il y a une question qui se pose, demander à l'intérieur. Arrêtez d'écouter le voisin, la voisine, les autorités, les experts. La réponse est là. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous pouvons participer à cette grande transformation de conscience qui est en train de se faire. Nous pouvons y participer. Quand le poisson était dans sa mare, qui avait plus d'eau dans sa mare, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agité, il y en a qui ont tiré, puis jusqu'à ce qu'ils ne viennent plus rien, puis qui sont morts, puis il y en a qui sont agités, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont manifesté des poumons et ils sont devenus des amphibiens. Bien, c'est la même chose qui se passe en ce moment. Nous sommes déjà l'être diésique que nous sommes. Nous le sommes. Il est temps de le manifester. Et nous nous créons, nous sommes des créatrices et créateurs, nous nous créons les conditions de suffocation nécessaires pour devenir qui nous sommes. C'est donc un cadeau évolutif que nous vivons en ce moment et que nous allons vivre plus intensément. Le cadeau que nous avons, la différence que nous avons avec le poisson, c'est que le poisson ne savait pas ce qui se passait. Mais que nous savons ce qui se passe et nous pouvons y contribuer. Quelle belle expérience! Et c'est ça qui compte. Et dans chaque épreuve, voyez, montez, hein, montez sur le toit, j'appelle toujours ça, montez sur le toit de l'édifice, voyons grand. Parce que c'est ce que nous sommes. Et voyons donc en termes
d'évolution de conscience. Ah oui, on s'en va là. OK, c'est correct. C'est correct. C'est pas grave que ce soit la maladie, perdre de l'argent, perdre des êtres chers, n'importe quoi, hein? N'importe quoi, perdre mon boulot. Puis ça va arriver, hein? Ça va arriver, ça va arriver. N'oublions pas que nous sommes dans une crise évolutive pour devenir qui nous sommes. Et empressons-nous d'y participer. Face au fait qu'on a beaucoup plus de droits que ce qui nous est attribué, mais ces droits-là, c'est pas en tant que personne légale qu'on peut aller les chercher. Il y a juste une façon, c'est de se faire reconnaître ici comme un être humain. Homme, femme, personne légale a certains droits et libertés. L'être humain, lui, il a tous les droits et les libertés. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci. Important à retenir dans cette histoire de souverain, c'est qu'en fait, elle nous permet de sortir de n'importe quelle société. Et on est tous esclaves, jusqu'à ce que je décide de ne plus l'être. Si on peut sortir de n'importe quelle société, alors on peut redonner notre consentement pour une autre société que nous, on aura décidé, qui sera plus équitable.